Voilà, donc là on est revenu au début de la grille, si bémol mineur. On part sur la fondamentale. Alors là c'est important de visualiser ré bémol majeur. Parce qu'en fait c'est vraiment autour de cet arpège là qu'on tourne. Qui est en fait le relatif majeur de si bémol entre guillemets. Je le refais un petit peu plus lentement. Voilà, vient ensuite sur Fa mineur, donc un petit peu sur le modèle de tout à l'heure, avec la neuvième. Donc on part de Mi quand même. Hein. Donc là, faut bien surveiller la justesse du tiré. Hein. On doit faire entendre Ré. On rejoue la note. On relâche la note. Puis Do. Donc Ré. On relâche Ré vers Ré bémol et Do. Donc là on est de retour sur la partie de la grille qui fait Si bémol mineur, Mi bémol, La bémol. Donc Ré 6, basse de La bémol, Ré bémol 6, je veux dire, basse de La bémol, Do 9, qui va nous ramener sur Fa. Alors là, on joue vraiment sur l'arpège mineur. Là, on est déjà sur la tierce de Mi bémol. Donc je vais vous détailler ça. En fait, on est en train de jouer sur un arpège mineur. Là, on a rejoint la tierce. Alors, ce qui est très important, c'est de visualiser les positions des accords sur lesquels on est en train de jouer. Donc, Mi bémol 9, il est ici, mais on pourrait considérer qu'il est ici aussi. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on va faire se rejoindre les deux positions. Alors là, c'est vraiment un arpège 7. Hein. Sauf qu'on entoure la fondamentale en faisant 9e bémol, 7e majeur, retour sur la fondamentale, 9e bémol, hein. Et là on est sur cette position là. Là c'est pareil, un petit chromatisme de la fondamentale vers la 7e mineure, pas d'affolement. On est bien arrivé sur La bémol majeur. Alors là, c'est quoi en fait? C'est toujours sur le même principe des accords diminués. Là, on est sur la tierce de Ré bémol qu'on a considéré finalement comme Ré bémol 7. Hein. Et on fait glisser cet accord diminué. Vers la tierce de Do, donc Mi ici, pour revenir sur le plan de départ. Alors ça c'est quoi? C'est un accord de Fa mineur, au final. Hein. Fa mineur 6 même, puisqu'on a la 6 là-haut. Alors ça c'est quoi cette montée? Et ben c'est simplement on va vers Fa mineur 6 encore là-haut, donc on l'amène, donc on part une tierce mineure plus bas. Voilà, cet accord qui a tout l'aspect d'un accord demi-diminué, du coup de Ré demi-diminué. Mais
mais que dans ce contexte-là, on verra comme la partie haute d'un accord de Fa mineur 6. Voilà les amis, j'espère que tout ça vous a bien aidé. Allez, venez, on se barre. Ouais, bah, c'est ça, barrez-vous, bande de petits cons. Finir en prison. Et à la semaine d'après. Ou celle d'après. Dernier délai, celle d'après.